Bon, pour moi, c'est l'emblème des Pyrénées, Avelisa. Donc, tout chasseur de montagne que je suis, et tout chasseur dans cette salle, je pense que c'est aller découvrir un grand tétra, lever un grand tétra dans un bois qui vous surprend, il vous effraie. Il est plus effrayé lui que vous, mais bon, il vous effraie. C'est des choses que on ne peut pas oublier. Et de le pouvoir le partager, c'est surtout ça. Donc, le chasseur de montagne, c'est souvent solitaire. Mais bon, de plus en plus, maintenant, moi j'ai un fils, j'ai chassé avec mon père, maintenant je chasse avec mon fils, et tout chasseur bon, aime partager. Du moins, moi, je le conçois comme ça. Voilà. Donc, c'est ce qui maintient la passion. Je pense que tout chasseur en soi, digne de ce nom, n'est pas que là pour prélever. La chasse, en soi, c'est permet de sortir, d'aller découvrir. Mais bon, c'est sûr que le tir, tout chasseur veut tirer. Mais combien de sorties on fait sans jamais tirer? Donc, c'est l'observation et c'est la passion. Mais je pense que maintenant, dans les générations, les jeunes comprennent plus. Moi, je suis d'une génération, je suis de 56, je ne suis pas un vieux combattant, mais j'ai toujours chassé avec des personnes âgées. Et à l'époque, bon, à la pêche ou à la chasse, ce qui comptait, c'était le résultat. Maintenant, c'est fini. À la pêche, moi, je vais pêcher avec des jeunes. Ils prennent un poisson, ils en prennent 20, ils en gardent un, ils n'en gardent pas, ils sont contents, ils ont fait des photos. Et la chasse, c'est pareil. La chasse, c'est pareil. Donc, et je pense que les générations anciennes partent. C'était plus dur que ces générations anciennes à faire comprendre ces choses-là, pourquoi il ne fallait pas tirer, pourquoi il ne fallait pas tirer une femelle suitée. Voilà. Et ça, je pense que les jeunes, bon, alors est-ce que les médias, il y a plus de dialogue, hein? Bon, je pense que, voilà, fait que. Et je pense qu'on avance. Je ne peux pas le chasser, j'essaie de le faire en photo et déjà d'aller le voir. Voilà. C'est déjà beaucoup. Pouvoir le voir. Est-ce qu'on va pouvoir les voir longtemps? Là est la question.